Il va m'attaquer sur la tête et je vais devoir réagir. Si je fais rien, c'est bon, c'est le pire des cas. Donc, j'ai. Donc, j'ai une jambe un peu plus avancée que l'autre. Peu importe. Voilà. Je pars du côté jambe avant, toujours. Il attaque. Bon, là, c'est bien, je suis sur son extérieur. Donc, pour lui, ce sera plus compliqué de réagir. Et moi, je vais pouvoir faire plein de petites choses. Maintenant, je fais la même chose en me protégeant avec la canne. Ici, par exemple, bien sûr, le plus rapide. Et enfin, ici, je vais travailler d'une part avec la canne, on peut bien sûr, mais ce qui va m'intéresser, ce sont les jambes. D'accord? Ce n'est pas forcément des frappes très hautes. Frappe niveau genou, c'est largement suffisant. Ok? Encore une fois. Un, deux. Et là, bien sûr. Alors, histoire de voir le déplacement un peu mieux dans ce sens-là, il m'attaque. Toujours en protection. Deux. Autre possibilité. J'ai l'autre jambe devant. En fait, on ne choisit pas toujours. Simplement, ça dépend d'où on se trouve, de ce qu'on a autour de nous, des murs, des gens, etc. Donc, je vais partir du côté de son bras libre, pas du côté où il tient la canne. Le mouvement, grosso modo, est le même. On y va. Et là, je me protège aussi parce que bah, il y a un bras, donc il peut être tenté de s'en servir. On y va. Ah, voilà, je vais chercher le bras. Une fois que j'ai le bras, bien sûr, percussion. Mais je peux aussi. Comme tout à l'heure. Ici, en plus, je peux m'en servir pour m'appuyer, venir travailler sur les jambes. Alors, encore ici. On y va gaiement, il attaque. Ici, je me protège. Boum, boum. Voilà. Mais si on préfère, là, comment dire, c'est une première approche, quel que soit le côté. Mets-toi là. Ou en fait, il avance et moi je m'en vais bien à 45, donc j'ai plein de place. D'accord, pour ça, pour la canne, etc. Mais je peux aussi choisir, niveau plus avancé, de moins me décaler. On va le faire oui, dans ce sens-là, très bien. Donc je me protège ici. Et là, vous voyez, je suis quasiment face à lui. Donc un coup de pied là sur le côté, ça ne sera pas évident. Par contre, voilà, je peux rentrer, déstabiliser. Et ça, c'est plus intéressant. On va le faire ici. Ah, je ne me décale pas trop, toujours en protection. La canne d'un côté, le bras de l'autre, et je vais rentrer. Ici, j'y vais tout doux. Voilà. L'idée, c'est de le déséquilibrer. D'accord? Au passage, si ça pète le genou, bon, bah, ça peut arriver. On le fait pas à l'entraînement, d'accord? Ouais, ici, en protection toujours. Bras. Ouf, voilà. Et là, bon, bah, je peux venir déséquilibrer, bien sûr, d'un côté ou de l'autre. Et si ça suffit pas, je peux aussi venir, toujours protection, d'un côté et de l'autre. Première jambe, deuxième jambe. Ok? Un peu comme au judo, au chigariko, au chigari, tout genre de choses. Voilà, bon, on est pas mal. Je te remercie.